L'horoscope du jour, vendredi 14 janvier 2022. Bélier, dans votre couple, les sentiments seront au beau fixe. Célibataire, la planète Vénus vous promet mont et merveille. Vous emploierez votre combativité à améliorer votre situation matérielle. Saturne, dans votre ciel, vous donnera un sixième sens en matière d'argent et vous obtiendrez d'excellents résultats. Aujourd'hui, vous serez en mesure de prouver vos belles capacités professionnelles. Numéro de chance 2. Taureau, très belle journée en perspective. Vous ne manquerez pas d'occasion de vous distraire à deux. Célibataire, vous ne ressentirez pas grand chose sentimentalement. Des retards dans vos rentrées d'argent vous obligeront à faire des démarches contraignantes ou à vous imposer des économies. Saturne vous conseillera de vous nourrir correctement. C'est aujourd'hui que vous devez faire le point et mettre sur pied tout ce qui peut apporter une expansion à vos activités et à votre carrière. Numéro de chance 9. Gémeaux, une journée à marquer d'une pierre blanche pour les célibataires. En couple, les projets élaborés en commun vous rapprocheront. Ce sera un excellent trait d'union et un bon moyen de cimenter votre couple. Vous qui, en général, veillez à conserver votre équilibre financier, pourriez bien cette fois perdre quelque peu la tête. Prudence, donc, ne videz pas votre compte en banque. Numéro de chance 7. Cancer, vive la stabilité conjugale et la sécurité affective. Ce sera votre credo. Célibataire, vous ne serez guère pressé d'abandonner votre chère liberté. Mais celui ou celle que vous rencontrerez aujourd'hui devrait vous faire changer d'avis. Si vous n'êtes pas trop gourmand sur le plan financier, tout ira bien. Évitez en ce moment de vous lancer dans des entreprises trop audacieuses ou de vous attaquer à des domaines que vous ne connaissez pas. Numéro de chance 14. Lion. Les planètes vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre conjoint. Si vous êtes seul, Neptune va perturber votre domaine d'amour. L'important sera de savoir exactement ce que vous voulez. Côté argent, vous serez plus raisonnable que d'habitude. Votre santé risque de prendre un coup à cause de votre manque de repos. Vous serez victime de votre sincérité et de votre franc-parler. Numéro de chance 27. Vierge, le domaine conjugal risque d'être riche en sensations fortes, au positif comme au négatif. Si vous êtes heureux au ménage, vous le serez beaucoup plus encore ce début de week-end. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive. Votre situation financière sera sans doute au centre de vos préoccupations. Si vos projets sont momentanément retardés, prenez votre mal en patience. La situation se débloquera bientôt. Au travail, la planète Saturne vous procurera la possibilité de compter sur l'aide de personnes compétentes et efficaces. Numéro de chance 25. Balance. Des influx astraux remarquables protégeront votre vie conjugale. Les planètes vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre conjoint si vous êtes seul ou vous partirez grâce à Vénus, à la conquête des cœurs. Les astres n'étant pas cléments avec vous sur le plan financier aujourd'hui, vous devez concentrer vos efforts en vue d'améliorer votre situation. Vénus se chargera de veiller sur votre santé. Les événements vous seront favorables sur le plan professionnel. Néanmoins, intensifiez votre effort si vous voulez parvenir à vos fins. Numéro de chance 8. Scorpion, vos relations avec votre partenaire seront placées sous le signe de l'efficacité. Les célibataires auront toutes les chances de concrétiser leurs rêves d'amour. Neptune, astre lié au monde du pressentiment, influencera votre secteur d'argent et formera des configurations positives avec le reste du ciel. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez pour décider de vos achats. Profitez de votre temps libre pour vraiment vous détendre. Excellente perspective sur le plan professionnel, numéro de chance 15. Sagittaire, Saturne vous donne un besoin sérieux et de stabilité sur le plan conjugal. Célibataire, les planètes augmentent votre côté séduction. Bon moment aussi pour avancer vers la solution d'un épineux problème financier. Mettez-vous en règle avec l'administration fiscale. L'influence de Pluton détendra vos nerfs tout en vous donnant plus de tonus. Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax et pourrez ainsi multiplier les activités sans pour autant ressentir la fatigue. Numéro de chance 37. Capricorne. En couple,
Si vous vous sentez mal accompagné, Uranus pourra provoquer une rencontre très importante. Célibataire, il vous faudra avoir confiance dans la vie et vivre ce qui se présentera au jour le jour sans porter de jugement. Pas d'investissement massif en ce moment, sauf si vous êtes prêt à n'avoir qu'une chance sur deux de gagner. Si vous souffrez d'une maladie quelconque, pensez à vous laver avec de l'eau de mer. Numéro de chance 8. Verseau. Belle complicité en couple. Pensez ce jour qu'il vous suffira de cultiver la tolérance et de vivre l'amour. Vous qui redoutez les problèmes d'argent, les influences planétaires vous seront favorables dans ce domaine et vous permettront de consolider sensiblement votre situation matérielle. Ce sera le moment ou jamais de vous faire des plaisirs gastronomiques. Numéro de chance 17. Poisson. En couple, vous aurez droit à une vie amoureuse animée et plutôt agréable. Cela dit, de petites disputes pourront émailler le quotidien. Les célibataires sont promis à de belles rencontres, mais rien de sérieux à l'horizon. Saturne, partisan inconditionnel de la vertu d'économie, vous conseillera d'être très attentif et vous invitera à utiliser sainement votre argent. Gardez votre emploi actuel, même si celui-ci vous pèse, car les changements de travail ne sont guère protégés aujourd'hui. Numéro de chance 22. Dame et Ravitan, visionnaire astrologue, vous souhaite un bon début de week-end et que les bénédictions soient. Je vous remercie. Je profite également pour vous dire à vous qui êtes du signe Capricorne et qui m'écoutez que vous avez la possibilité demain de venir purifier votre aura et de réveiller votre étoile. Pour participer à ce rituel de purification de l'aura et du réveil de l'étoile, qui est un bain, il faut prévoir 7770. Pour vous déplacer au temple des grandes victoires à Révier, allez dans la boutique Océan de Boycon, allez dans la boutique Océan de Parakou et savoir que le rituel va démarrer à Révier à 7h pour finir à 23h. Boycon et Parakou de 7h à 21h. Pour tout renseignement, appelez le 96 44 90 89. Que les bénédictions soient.